Ce système est livrable pour votre véhicule. Il se peut que les options de menu diffèrent légèrement de celles des menus affichés. Pour faire un appel, appuyez sur le bouton « Menu », puis sur « Téléphone ». Touchez une option pour faire un appel. À partir de vos favoris sauvegardés, à partir d'une entrée du répertoire « Mains libres », à partir de la liste des appels entrants, sortants ou manqués, ou en entrant manuellement un numéro de téléphone. Pour composer une entrée dans le répertoire « Mains libres » à l'aide de commandes vocales, appuyez sur le commutateur « Parler » sur le volant, puis dites « Appeler », puis le nom d'une entrée du répertoire « Mains libres ». Lorsque le système donne la liste des commandes vocales disponibles, vous pouvez appuyer sur le commutateur « Parler » pour l'interrompre. Attendez que l'icône de visage change à l'écran pour commencer à parler. Pour accepter un appel entrant, enfoncez ce bouton sur le volant ou touchez « Répondre ». Pour refuser un appel entrant, appuyez sur ce bouton sur le volant et tenez-le enfoncé ou touchez « Refuser ». Si un appel est fait au téléphone pendant qu'un autre appel est actif, un avis s'affichera à l'écran. Touchez « Répondre » pour mettre en attente l'appel actuel et accepter l'appel entrant. Touchez « Refuser » pour refuser l'appel entrant. Lorsque deux appels sont actifs, touchez « Basculer vers un autre appel » pour naviguer entre les appels. Pendant qu'un appel est en cours, vous pouvez toucher « Utiliser le combiné » pour acheminer l'appel téléphonique vers le combiné pour plus de confidentialité. Touchez « Muet » pour désactiver ou réactiver le microphone. Composez le numéro pour utiliser des services comme la messagerie vocale. Pour terminer un appel, touchez « Raccrocher ». Veuillez consulter le manuel du conducteur InTouch d'Infinity pour des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.